maintenant là, je me sers bien. Aujourd'hui, je ne prends ça, je fais mon. Je vais allumer mon feu avec. Je prends mon couscous avec ceci. Ça ne sert plus à rien. Je suis africaine, je suis noire, je suis kémite. Mais mon Dieu, ce sont mes ancêtres. Mon Dieu, c'est moi-même. Ce ne sont pas des blancs morts, des blancs qui ont mis nos ancêtres en esclavage, des blancs qui nous ont coupé les mains, des blancs qui nous esclavagisent aujourd'hui. Nous sommes dans le néocolonialisme. Le prix du dollar ne fait qu'augmenter chaque jour, mais nous sommes là, nous prions. Je ne sais pas ce que nous prions quand le monde est en guerre. Je ne sais pas ce que nous prions quand le monde est en guerre. Il est temps que chaque Africain fasse ça chez lui. On doit se respecter. On n'a pas besoin de nous aimer, mais on doit se respecter. Nous avons les docteurs en Afrique. On ne peut pas être noir et on dit que Dieu est blanc. Le diable est noir. Ça n'a pas de sens. Apprenez à respecter. Le diable sorte de ma maison. Ça, ce n'est pas Jésus. Je ne suis pas en train de blasphémer. Ce sont eux qui sont venus dire que nos coutumes et traditions étaient de la sorcellerie. Ils ont dit que prier ses ancêtres, c'était diabolique. Mais on nous fabrique un Jésus blanc. C'est ça qui est sain. Mais arrêtons de nous moquer, de se moquer des gens. Arrêtons de se moquer des gens. Chaque Africain, faites le même geste chez vous. Brûlons le diable. Enlevons le diable de nos maisons. Respectons-nous, aimons-nous. Enlevons le diable de nos maisons. Ça ne sert à rien. Voilà. Mes ancêtres, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-père. Je mets la photo de mes ancêtres chez moi. Je n'ai pas besoin d'un Jésus blanc chez moi. Je n'ai pas besoin d'une mère de Dieu blanche chez moi. Le diable ne peut pas être noir et Dieu est blanc. C'est une moquerie. Et c'est nous-mêmes qui décidons ça, malheureusement. Nous avons des docteurs, nous avons des... Nos enfants ont besoin de grandir étant lucides. Enlevons le diable, exterminons le diable, brûlons et versons les cendres. Lavons les cendres. Nous n'avons pas besoin des dieux blancs en Afrique. Nous avons nos ancêtres, nous avons nos traditions. L'Afrique est tombée aujourd'hui à cause de ses religions, à cause de ses croyances. C'est pour ça que l'Afrique ne va pas bien aujourd'hui. Il est temps de brûler, il est temps d'enlever ça de nos maisons. Nous n'en avons plus besoin. La tête du Joss ne veut pas se brûler. Ça va sûrement se brûler.